Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de vous avoir une fois de plus. Nous allons voir comment résoudre l'équation trigonométrique de la forme a cosinus x plus b sinus x plus c égale à 0. Dans cette vidéo, il va vous donner le principe en 3 points. Et après, nous allons donc prendre un exemple concret que nous allons résoudre ensemble pour que vous voyez comment est-ce que on se comporte avec ce genre d'équation trigonométrique. Alors, principe, je scinde cette équation en deux parties. Une partie qui contient les cosinus et sinus et j'envoie le réel de l'autre côté. Donc, je mets ça sous cette forme ici. Je fais traverser le C. Il devient ceci. Là, maintenant, je m'intéresse à cette partie. Deuxième étape, je vais donc calculer le module. Je vais considérer A sous module, grand A. Grand A sera donc égal à A au carré plus B au carré dans la racine. Là, c'est le module. Maintenant, je vais mettre A en facteur, troisième étape. Si je mets A en facteur, alors je vais avoir A sur grand A, comme ceci, fois le cosinus X plus B sur grand A, sinus X égale donc A moins C. Comme A au carré plus B carré est différent de 0, ça veut dire qu'il existe un alpha tel que je puisse avoir cos alpha égale à A sur grand A et puis sinus de alpha égale à B sur grand A. Bon, ça c'est généralement lorsque on vous a demandé par exemple de mettre cette équation sous la forme grand A cosinus de x plus ou moins alpha égale à moins c. Ou bien encore sinus alpha égale à A sur grand A et cosinus de alpha égale à B sur grand A. Alors, ceci c'est lorsque vous avez envie de mettre cette équation-là sous la forme grand A fois sinus de x plus ou moins a égale à moins c. Et à ce niveau, maintenant, on ramène donc l'équation sous la forme sinus x égale à 1 ou bien cosinus x égale à 1 et on résout de manière classique. Vous avez donc une vidéo qui vous montre comment on résout ce type d'équation dans R et dans un intervalle quelconque. Donc voilà le principe de résolution de ce type d'équation. Donc lorsque vous avez transformé ça ainsi, petit a sur grand a, c'est cos alpha, et petit b sur grand a, c'est sinus alpha. Là, vous allez donc utiliser cette formule d'addition, le produit de cos et le produit des sinus. Si c'est ici, vous aurez donc cosinus x, sinus alpha, plus sinus x, cosinus alpha. Là, on a le produit de sinus et de cosinus, de cosinus et de sinus. Là, on va utiliser donc le sinus de x plus ou moins alpha, plus ou moins alpha. Donc voilà, dans la suite maintenant, nous allons prendre un exemple concret. A tout de suite. Bien, nous passons à un exemple concret. Résoudre dans R 3 cosinus 2x moins racine de 3 sinus 2x plus racine de 6 égale à 0. Premièrement, j'ai dit, on sépare l'équation en deux parties. Cette partie ici et l'autre partie. Là, j'obtiens 3 cosinus 2x moins racine de 3 sinus 2x égale à moins racine de 6. Donc, le plus racine de 6 traverse de l'autre côté de l'égalité. Ensuite, je calcule le module grand A. J'ai A et j'ai B qui vaut moins racine de 3. Donc, A au carré, ça me fait 3 au carré, plus B au carré, c'est-à-dire moins racine de 3, le tout au carré, ça me donne racine de 9 plus 3 qui vaut 12. Or, 12, c'est 4 fois 3. Racine carrée de 4, c'est 2. Ça nous fait donc 2 racine de 3. Maintenant, je mets A en facteur. Donc, je mets 2 racine de 3 en facteur. Donc, en mettant A en facteur dans cette équation, on aura 2 racine de 3 facteur de 3 sur 2 racine de 3 cos 2x moins racine de 3 sur 2 racine de 3 sinus 2x. On ferme, égale donc, nous sommes ici, égale à moins
racine de 6, on arrange. Nous avons racine de 3 en bas et 3 en haut. Donc il suffit de multiplier par racine de 3 en bas et par racine de 3 aussi en haut. On va obtenir 3 racine de 3 sur 2 fois 3. Les 3 vont donc se simplifier. On obtient 2 racine de 3, racine de 3 sur 2, cos 2x. Ici, racine de 3 se simplifie. On aura donc moins 1 demi fois sinus 2x égale à moins racine de 6. Voilà. À ce niveau, on considère un argument, c'est-à-dire θ, tel que cos θ, vous pouvez prendre aussi alpha, hein? Cos θ est égal à racine de 3 sur 2 et sinus θ égale à moins 1 demi. Ceci, ce sera pour mettre ça sous la forme cos A plus ou moins B. Ou bien, sinus θ égale à racine de 3 sur 2 et cos θ égale à moins 1 demi. Ça, ce sera pour mettre sous la forme sinus de A plus ou moins B, c'est-à-dire sinus de 2x plus ou moins θ. Donc, je vais m'intéresser juste à ce cas-ci. Et vous allez vous intéresser à cet autre cas depuis chez vous. Donc ici, il s'agira de mettre ça sous la forme A cosinus de 2x plus ou moins θ égale à moins racine de 6. Voilà. Ici, ce sera plutôt le sinus. Donc, vous voyez, lorsque je transforme ça comme ceci, mon racine de 3 sur 2, c'est cos θ et moins 1 demi, c'est sinus θ. L'équation sera égale à ceci. 2 racine de 3, cosinus 2x, cosinus θ, plus sinus 2x, sinus θ égale donc à moins racine de 6. Vous voyez que ceci là correspond à quelle formule d'addition? Ça correspond à cette formule-ci. On a plus là dans celle-ci. Première, cos A, cos B plus sin A, sin B. Donc cela nous donne 2 racine de 3 cosinus de A moins B, c'est-à-dire 2x moins θ égale à moins racine de 6. Alors, que vaut θ? Comme je suis ici, quel est l'angle dont le cosinus me donne racine de 3 demi et le sinus me donne moins 1 demi? Donc je peux rapidement retrouver ça dans le cercle trigonométrique. Ici, nous avons les cosinus et là, nous avons les sinus. Donc, cos racine de 3 sur 2, je suis quelque part ici. Et sin, moins 1 demi. Moins 1 demi, je suis ici. Donc, je projette. Cela me donne moins pi sur 6, c'est-à-dire moins 30 degrés. Ça me donne ici moins pi sur 6. Cela, j'ai moins 1 demi ici. Et là, j'ai racine de 3 sur 2. Donc, on va maintenant mettre cette équation sous la forme cos x égale à A. Et on va résoudre l'équation de manière classique. On obtient comme ça, cos 2x, comme θ c'est moins pi sur 6, on aura donc plus pi sur 6, avec le moins de la formule, égale donc à moins racine de 6 sur 2 racine de 3. Alors, racine de 6 c'est quoi? C'est racine de 2 fois racine de 3. Donc ceci devient tout simplement égal à moins racine de 2 sur 2. Voilà ce que ça devient. Donc on a transformé ça sous la forme cos grand X par exemple égale à moins racine de 2 sur 2. Quel est donc aussi l'angle dont le cosinus me donne moins racine de 2 sur 2? Donc s'il fallait travailler par exemple avec cette deuxième partie, vous aurez obtenu le sinus ici de 2x, 2x plus θ. Voilà. Et là vous devriez chercher l'angle θ tel que le sinus θ donne racine de 3 sur 2 et le cosinus maintenant donne moins 1, moins 1 demi. Donc nous travaillons avec le premier cas, c'est-à-dire le produit des cosinus et le produit des sinus. Donc vous voyez qu'à ce niveau maintenant, on résout l'équation, tout simplement l'équation trigonométrique cos de 2x plus pi sur 6 égale à moins racine de 2 sur 2. Vous avez une vidéo typique qui montre comment résoudre une équation de cette forme avec le sinus, avec le cosinus. Vous avez les liens tout simplement en description. L'angle dont le cosinus me donne moins racine de 2 sur 2, c'est, nous sommes ici à moins racine de 2 sur 2. Si je monte là, ça tombe ici. Donc, voilà pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Ça nous donne 3 pi sur 4.
Donc l'équation se réduit à ceci, cos 2x plus pi sur 6 égale à cosinus de 3π sur 4. Et là, nous obtenons 2x plus pi sur 6 égale à 3π sur 4 plus 2kπ ou encore 2x plus pi sur 6 égale à moins 3π sur 4 plus 2kπ avec k appartenant à z. Là, il ne reste plus qu'à développer, tirer x et donner la solution dans R. Donc la solution dans R nous donne tout simplement ceci. Donc voilà, la solution c'est moins 11π sur 24 plus kπ, 7π sur 24 plus kπ, k appartenant à z. Voilà donc les amis, c'est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Laissez-moi un commentaire et un pouce bleu. Pensez également à partager la vidéo. On se dit au revoir et à la prochaine.